Bonsoir. Et ben voilà. Donc bienvenue pour ce 8e de finale en direct donc sur Groupe Pétanque. 8e de finale qui va opposer Stéphanie Arnaud avec Raymond Dran qui nous viennent de la région marseillaise de Eger et du CAS de Nice, qui vont être opposés à Adeline Ménard et à Cathy Brondino. Donc 8e de finale qui promet et qui a toutes ses chances de voir une belle partie encore. On s'est régalé hein, toute la journée. Je remercie encore d'ailleurs le Bourg Saint-Andéol hein, pour son accueil. Vraiment, on s'est régalé. Donc n'hésitez pas à partager hein, le direct. Donc ce sera la dernière partie hein, de la soirée. C'est qualificatif pour les quarts de finale demain matin. Et demain, il y a la petite surprise. Donc du coup, je devrais commenter une partie avec Jean-Luc Robert s'il a pas perdu. Mais je crois que je ne l'ai plus vu dans le truc. Donc à mon avis, il a dû perdre. Donc voilà, un super cadeau que normalement il devrait me faire. Et c'est avec plaisir que je commenterai une partie avec lui. Au moins une. Si je peux en avoir deux, ce serait super. Mais bon, il ne faut pas trop en demander. Pour le moment, on est avec les filles et demain, on vous fera sûrement suivre une... On va essayer de vous faire suivre toutes les parties. On va essayer de mettre les caméras, une chez les hommes et une chez les filles. Comme ça, vous pourrez suivre les deux compétitions en direct. Ça, après, je vous promets rien. Mais on va essayer de faire ça pour vous demain. Allez, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette dernière partie. Il faut avoir du monde au maximum. Et demain, je vous donne rendez-vous. Alors, je sais qu'il y a des tours de Coupe de France demain, donc les personnes ne pourront pas être devant leur télé. Mais je peux vous dire qu'il reste encore un sacré plat poteau hein, en senior, ainsi qu'en féminine. Et vraiment, demain, n'hésitez pas à regarder le groupe Pétanque. Surtout que c'est l'une des dernières diffusions de l'année, voire même du groupe, parce que Ludo, normalement, il prendra sa retraite, enfin, il arrêtera, et nous, on n'est pas... Enfin, moi, j'ai essayé de voir si je pouvais continuer, mais c'est trop compliqué. Donc, à mon avis, il n'y aura plus de diffusion, voilà, sur le groupe Pétanque. C'est avec de grands regrets, bien sûr. Allez, c'est parti, en tout cas. Belle partie aux filles, les quatre filles, j'espère qu'elles vont nous régaler. Allez, et ben c'est parti. Allez, c'est Cathy qui va engager Cathy Brondino. Le bouchon, on va jeter pas très loin pour commencer. Hop là, on va se décaler un peu. On va laisser à 6 mètres. Du côté de Raymond. Il est bon. Et bah allez, on est parti pour ce 8e de finale du National de Bourg-de-Péage qui faisait complet aujourd'hui 128 féminines. Allez, c'est bien entamé de la part de Cathy. Une boule 60 devant. Allez, on va essayer de le gagner du côté de Raymond. Donc Raymond qui m'a dit qu'il était au CAS de Nice. Hein. Donc CAS de Nice, ça peut vous parler. C'est le club de Mika Bonetto, de Myron Bonino, tout ça. Donc c'est un très très gros club. Elle est partie dans le jeu d'à côté, celle-là. Allez, bah c'est pas grave. Hein. Elle fait mal jouer, la boule est en plein jeu, du coup ça fait jouer un peu bas. Ah, elle a joué plus haut. Et bien sûr, elle est dans la boule.
Ah ouais, t'es en plein jeu ce bout là. T'es pas prêt, mais t'es vraiment en plein. Allez, bah faut bien jouer celle-là. On joue un peu vite là du côté de Raymond. Celle-là est mieux jouée. Elle a presque embouchonné, donc ça peut peut-être. Ça peut peut-être servir. Alors faut penser à enlever la boule du fond là, parce que ça peut arrêter le bouchon. Allez, bah ça tire de partout. Allez, elle a embouchonné, elle n'a pas rien fait parce que la main était mal engagée. Du coup, si le bouchon bouge, on va peut-être limiter la casse. Allez, bah Adeline Ménard, hein, pour moi, Adeline Ménard, c'est l'une des meilleures tueuses. Elle a le geste, le super geste. Et pour moi, il y a très longtemps que je la vois jouer, cette fille est vraiment. Elle a du talent. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Peut-être c'est parce qu'elle joue pas beaucoup, mais alors, elle a un bras que vraiment, je me régale à l'avoir tiré. Là, c'est bien tiré, elle a fait recul. Et peut-être qu'ils tiennent pas. Alors là, ça va être compliqué. Je pense que la main va être longue. C'est soit on joue une boule chacun ou soit on laisse finir d'un côté, mais je pense que. On est là pour un petit moment, à mon avis. J'ai un mètre, hein, si vous voulez, les filles. Au cas où. Ah, je pense que la main elle va durer un moment. Allez, donc le bouchon a bougé, il est dans le jeu d'à côté. Ah, c'est bien joué de la part de Stéphanie. Bravo. C'est bien joué. Super reprise, ça oblige à tirer du coup. Allez, donc la main est finie. Allez, on va tirer. On va tirer du côté d'Adeline. Tiens au point seulement, à un point.
Là, j'ai vu qu'elle était montée celle-là. S'envoler. Allez, bah elle est dans le jeu, bah du coup la main elle s'est bien retournée. Et bah c'est deux boules d'or à jouer à la sortie alors qu'ils avaient une grosse main au départ. Bien joué encore. Bien joué. Ah, faut se lever, Stéphanie, venir boucher le trou. Voilà, tomber dans le même trou. Et bah, deux points. Allez, deux points supplémentaires, enfin deux points, ouverture du score. Ouverture du score pour les filles. Du sud. Ah, c'est bien joué ça, Raymond. Chier ça. C'est fort du côté de Cathy. Allez, faut bien jouer celle-là. Le problème, c'est qu'elles se jouent les unes sur les autres. Mais c'est pas évident. C'est bien joué, ça a rectifié tout de suite. Biberon. Allez, Stéphanie. Alors, on va tirer de chaque côté. Alors, attention. Je sais pas si elle a vu. Si. Allez, Stéphanie qui va les tirer. C'est pas droit. C'est manqué. C'est pas droit. Allez. C'est mieux. Ça, c'est mieux tiré. C'est frappé. C'est encore bien joué. Hein. Un petit coup de tête au bouchon, elle l'a gagné du coup. Ah, bien joué Raymond, bravo, c'est nature. Très très bien joué. Ah, bah, il envoie Adeline au tir. Hein. Bien tiré de la part d'Adeline. Elle a rapproché le sien en plus. C'est dommage que tu ne vas pas jouer avec moi en Espagne. C'est parti.
Allez, bah Raymond, on va essayer de faire encore la reprise. C'est bien joué encore. Oh, bravo. Il doit manquer un petit peu, mais c'est très très bien joué. On peut tirer, hein, je pense, du côté de Steph. Pas déjouer, hein, de toute façon, ou envoyer un peu dans la boule. Elle va tirer, à mon avis. Eh ben non, j'ai tout faux. Elle va pointer un peu fort. Elle risque rien, de toute façon. C'est bien joué, hein. Oh là là, il manque un tout petit peu. C'est très bien joué, dommage. Il manque un peu de force, sinon elle pouvait réussir à beaucoup. Bien tiré Adeline encore. On peut y partir tirer. Hein. Ah, je vous dis moi que c'est un bras phénoménal. Très longtemps. Ouais, elle va peut-être jouer en face du bouchon maintenant. Elle va jouer le but carrément. Si elle le prend, il y en a 4. 5 même. Non, il y en a 4, pardon. Si elle le prend comme il faut le but. Il ouais, faut pas être quoi. Hein. Faut envoyer. Faut envoyer nature. Non, non, elle a joué normal. Oh, dommage. Passer à côté. Et ben c'est un point. Je croyais qu'elle allait l'envoyer carrément, mais non, elle a juste. Elle a juste joué. Elle a joué pour le mettre. Joué pour le mettre en face du bouchon, mais. Allez, bah 2-1. Allez, bah on joue pas loin. On va mesurer. Allô, l'arbitre. Elle arrive. Elle est dans le jeu d'à côté, allez. Allez, bah le bouchon il est bon. Et Cathy, c'est bien joué. Belle boule l'entrée. Elle s'y met, elle est pas mal. Allez, on va pointer du côté Raymond. Ah, c'est gagné tout de suite. Bravo. Super bien joué. Bien, bien. Allez, bah, y a après. Allez, Adeline Ménard. C'est Caro. C'est bien donné la boule. Mais bon, elle a un tir. C'est bien donné, mais elle a vraiment le beau tir. Elle a vraiment. Elle a un tir magnifique. Les filles, si vous pouvez reculer de 50 cm, c'est parfait. Pas entendu. Allez, et on va tirer du côté de Stéphanie, c'est tapé. Et il y a 2 points par terre toujours. Et il y a 6 mètres. Donc il y a une belle main, hein, côté de Cathy et d'Adeline. Allez, Raymond, et c'est bien joué, c'est repris.
Bien joué encore. Hein. Allez, on va tirer du côté d'Adeline. Il y a 6 mètres hein, là, attention, on s'expose au carreau peut-être. Déjà, on a fait un carreau d'entrée, un petit palais et il y a 3 par terre. Allez, Cathy, il faut chauffer le moteur. Peut-être que on va avoir une boule importante à tirer. Allez, bah 3 boules à 3, 3 points par terre. Hein. Ça peut être une petit tournant déjà, petit tournant de partie. Ah, il n'y a que 2 à 1. Hein. Il n'y a pas le feu, mais c'est bien joué encore, Raymonda. Bravo. On a mis 3 boules dans le bouchon. Très très bien joué. Allez, on l'a vu. On a dit pas du bon côté. Je sais pas s'il y a un côté hein, vraiment. Allez, ah y a du... on a vu le métier quand même d'Adeline. Ah, c'est moi c'est une joueuse que vraiment. Bien joué hein, Stéphanie elle a rajouté. Stéphanie 3 allez bah 5 hein. Et bah Raymond ils ont fait une très grosse semaine, elles ont joué 6 boules hein, dans cette semaine. 5 dans le bouchon, une frappe. Parce qu'après le carreau d'Adeline, la main a été mal engagée. Allez, bah 5 à 1 dans cette partie pour Stéphanie Arnaud et Raymond Dran. Et celle-là, elle est encore pas mal. Bien joué. Hein. Bravo. Très très bien joué. Alors, on joue vite hein, du côté de... On joue 8 du côté de Cathy Brondino et elle a fait la belle reprise, la boule derrière le bouchon. Bien joué. Allez Stéphanie qui va tirer la boule. Ouais, c'est bien tiré. Belle frappe. Bien joué, hein. Ouais, bah, c'est facile la boule. Certains moustachus disent il n'y a qu'à les jeter, mais finalement il a raison. Très très bien joué parce que la boule elle était prête d'abord. Et là, deux reprises magnifiques. Ah, c'est bien tiré, oh là là, super bien tiré. Plein dessus, carreau. Ah, aujourd'hui on a fait une journée vraiment, les amis. Je me suis régalé. C'est rare hein, que le niveau féminin je le vois aussi haut. Alors j'ai peut-être eu la chance aussi de tomber sur les belles équipes, mais vraiment un niveau exceptionnel aujourd'hui. Hein. Toutes les parties sont magnifiques. Moi je vous conseille, vous pouvez les regarder sur YouTube. J'ai filmé combien? J'ai filmé 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être la sixième partie. La sixième partie, je peux vous dire. J'ai vu 6 très très belles parties. 5 très belles et celle-là ça joue. Hein. Ça joue. Alors après, est-ce que c'est les terrains un peu, on va dire, pas trop compliqués qui aident à faire du beau jeu. Mais en attendant, les filles, vraiment, bravo. Hein.
Bravo pour cette journée là que vous m'avez fait passer, parce que vraiment ça joue super bien. Des beaux points, des belles frappes. Rien à dire. Bah, après les jeux sont pas très très durs, mais il faut, même les jeux pas très durs, il faut les mettre les boules dans le bouchon. Et les frappes, il faut les faire aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes, où c'est que ça est tombé 30 devant et que ça a ramassé. Ça a toujours été plein pot dans la gueule. Enfin, vraiment. Du beau jeu. Très beau jeu. Ah, Adeline encore bien joué, qui va embouchonner. Il faut encore taper. Si le but bouge, c'est ces deux boules qui sont derrière. Allez, bah, Stéphanie. Hein, Stéphanie. Stéphanie Arnaud qui va tirer. Ouais, c'est important de taper tout de suite, parce qu'après, elle peut presque plus tirer. Elle a passé seule. Elle a pris contre sec à son carreau, mais elle a passé seule. Je pense qu'elle tient. Et ça fait deux boules de rajout pour Raymond. Quoi, un 7 du coup? Non, mais c'est pas grave. Bah c'est court pour Raymond. Manque un petit bout. Ah, c'est bien joué de Cathy. Bien joué. Hein. Et on tire pas tout de suite. On en pointe une d'abord. Pourquoi pas? C'est bien joué. Ah, elle a pas pris la bonne route. C'était pas mal joué. Hein. Elle n'a pas pris la bonne route, malheureusement. Mais elle était dans la bonne direction. Allez, on va tirer du côté de Stéphanie. Qui est resté sur trois belles frappes. Un petit carreau. Ah, c'est manqué. Là, c'est plus loin. Hein. Il y a... Ils sont un peu allongés, là il y a presque 10 mètres. C'est plus pareil. Hein. C'est plus dur à tirer, il fait pas une chaleur de fou. La nuit arrive. Tout va bien. Allez, faut envoyer la Raymond. C'est pas mal, pas dû gagner à mon avis. On va rester sur le côté. On est où Sandra? Toujours regarder. Hey.
Et bah elle a gagné du coup. On croyait tout ce qu'elle avait perdu. C'est bien joué, elle est rentrée encore en seconde, mais elle n'a pas gagné. Allez, il va falloir y aller. Allez, on a 4 boules à 2. Adeline, il faut bien tirer celle-là. Ça ouvre une belle main. Il faut savoir que dans les mains, ben, c'est souvent la première boule du tireur et la première boule du pointeur qui compte dans chaque équipe. Si vous commencez par une frappe et... Oh, y'a. Ouf. Je l'ai vu pas bien partir, celle-là. Mais bon, le résultat, il est là. À la main, je ne l'ai pas vu bien partir, mais bon, l'arrivée, ça compte. Voilà, c'est court. Mais ouais, elle l'a monté. Elle a monté à la main. Voilà, là, c'est mieux. Je sais pas si elle a gagné, mais elle a au moins coupé. Hein. Gardez au bout des doigts la première. Celle-là est mieux jouée. Hein. Allez, bah tire à deux pour Adeline. Et si elle tape tout de suite, il peut faire 3 ou 4. Parce qu'il n'y a rien qui gêne. Après, il y a juste à envoyer à hauteur. Ouf, lolo. Ouais, bah ça, c'est pas bien tiré. Il bah, faut tirer pour marquer maintenant. Oh là, elle est partie, je sais pas où celle-là. Va à droite, va à gauche. Allez, il faut bien tirer celle-là, Adeline. Oh, c'est derrière. Ouais. Quand ça nous arrive, il faut prendre. Allez, 8 à 1. Eh ben allez, hein, Raymond, faut continuer à venir près. Ouais, c'est court, c'est court, c'est court. Manque de la vitamine. Cathy, elle a dû le gagner quand même. Faut jouer un petit peu à droite, hein. Faut jouer en face de la boule blanche de Cathy. Le jeu, il est là-haut. Allez, faut penser à la montée, Raymond. Voilà, ça c'est bien joué. Question de force après. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est joué parfait. Au jeu, la bonne force. On n'a pas tiré, et ben maintenant. Et ben maintenant celle-là. Et bon courage. Il va falloir bien tirer celle-ci. Adeline va tirer, elle a sauté du coup. Petite
de sauter. C'est tiré. C'est pas droit, il court. Rien pour plaire. Bon. Ça c'est court et Balamène elle a tourné encore. J'ai joué 3 boules sur une et il se retrouve maintenant à 3 boules à 2. Et le point par terre et la boule intirable. Essayer de le gagner. Pas trop de place, hein. Faut jouer dans la lunette. On joue de l'autre côté. C'était pas mal. Hein. J'avais de l'idée, mais ça n'a pas passé. On a fait double bec extérieur pour éviter de prendre en fait. Fait, il n'y a rien de fait. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Je pense si on tire pas devant la première, quoi que non, c'est pas, on est obligé de pointer, hein. 3 boules en main, 3 boules en main, faut pointer, mais Steph qui va essayer de rajouter un point, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est joué. Ah, c'est bien joué. Hein. Le problème, c'est que maintenant. Maintenant, tu peux jouer un peu plus fort, mais faut pas prendre celle du milieu. Si tu prends celle du milieu, tu fais un carnage. Ah, bien joué. Ça s'est joué super. Alors est-ce qu'elle l'a mis? Je sais pas. En tout cas c'est bien joué, maintenant elle risque plus rien. S'il n'y est pas, faut jouer pareil. Bien joué encore. Bien joué, hein. Très très bien joué. Il doit y avoir 3, hein. Je vais demander confirmation. Et je pense que. 3. Et ben allez, faut se mettre en route. Et ben là, il est peut-être bon, là. Allez, on est d'accord, on va remettre le, on va poser le bouchon. 11-1 les filles, c'est ça? Eh ben allez, 11-1. Un peu. Toujours court. Allez au jeu, hein, mais il manque un mètre. Il manque un petit mètre. Ils en ont fait 2 ce matin. Ils sont passés directement. 3, 4,
Allez, ben on a tourné du côté de... On a gagné, mais bon, c'est pas fou. Hein. Attention Adeline. C'est court encore. Hein. Encore pas gagné. Mais je pensais pas qu'elle allait faire jouer 4 boules celle-ci. Cette boule a fait jouer 4 déjà. Je la croyais pas prêt. C'est déjà les parties. Elle a fait jouer 5. Incroyable. Elle a fait, je sais pas ce qu'elle a fait. Mal tiré, mais c'est manqué. Et ben, Mender a joué. Deux boules pour Adeline. Pour faire une main de 3. Il n'y a pas grand chose qui gêne, mais bon, personne n'est arrivé. Alors. Celui-là, il y est. Ça va faire 2. 2 points. Onze à 3. Allez, bah 11 à 3. Allez, Adeline, bah écoute, elle a mis une boule pas terrible. Du coup, elle a fait jouer 6 avec sa boule pas terrible. Jamais j'aurais mis
qu'elle en face joue 6 avec celle-là. Hein. Et bon, comme quoi, ouais, celle-là est bien jouée. Et celle-là, ça se trouve, il va se gagner tout de suite. Celle-là n'a peut-être pas gagné, mais elle est bien jouée en tout cas. Bien joué Raymond. Bien joué. Si elle l'a gagné tout de suite, c'est beau. Bravo. Allez, ben on va tirer tout de suite du côté Cathy. Ouais, ça suffit. Belle frappe. Stéphanie est partie pour tirer, mais bon, je pense qu'il faut pointer gentiment. C'est quoi? Pas envoyé celle-là. Voilà, pas bien répondu. En tout cas, elle ne vaut rien. T'as pas mis le short au Jordan? Ouf. Ah, elle avait mis la boule à bec. Elle a mis la boule à bec. C'est bien tiré, hein, bravo. Celle-là, elle l'a enlevé. Touche pas la boule, elle rentre dans l'autre. Là, c'était pas pareil. Celle-là, elle lui a enlevé la reprise. Elle a bien joué encore. Peut-être en manquer un peu. Celle-là, celle-là, elle a dû gagner. Ah, elle a pas gagné. Il faut tirer devant. Elle a joué 3 pas mal. Il n'y a pas une qui tient. Non, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait. Elle a tapé, je sais pas, j'ai rien compris. Elle a pris contre, je crois. Allez, bah deux boules, un drajou, je crois, pour. Pour Adeline, c'est court. C'est quoi encore? Eh ben c'est un seul point.
Un seul point, 11 à 4. Allez, 11 à 4. C'est bien joué. Bien tiré. Hein. Taper tout de suite, c'est important. Bien joué, bien tiré. Allez, aucun commentaire, c'est parfait. Ça, j'ai pas besoin de répondre. Hein. Allez, Raymond, bien joué. Et on va pointer côté Adeline. C'est dommage hein, parce que c'est vraiment des belles parties de boules à regarder. Et là, je suis vraiment fier du néo féminin hein, cette année. Vraiment, ça joue très très bien. Jouer encore, bravo. Allez, bah Stéphanie, hein. Stéphanie Arnaud qui va tirer encore. S'envoler. Allez, ben Raymond, on va essayer de faire la reprise. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est court. C'est court, c'est court. Allez, on mesure. Là, de toute façon, il ne peut pas y avoir bien gros, hein, parce que la boule est à 5 cm. En tout cas, si elle a fait la reprise, elle a très très bien joué, Raymond. Et elle a gagné, bravo. Merci. La partie est partie relancée, mine de rien. Parce que là, elles font du jeu maintenant. Encore bien joué. Hein. Oh là là, quelle mène.
Ah, elle se plaint qu'elle est embouchonnée, mais. Bah, c'est quand même. Hein. Tu qu'il aille le bouchon. Ouais, on a deux bien tirés encore. Ah ouais, ça va être peine de 4, il n'y a rien qui gêne. C'est bien tiré en tout cas. Ah, parce que c'est la boule à Adeline là peut-être. Ah oui, elle a chiqué d'entrée. Je veux dire que. Ouais, elle a chiqué. Bah ouais, ça va être quand même 4. Ça va être main de 4 points. Depuis qu'ils ont tourné, ça revient fort. Adeline, elle fait du jeu au point et du coup, elle tire bien aussi Cathy. Donc du coup, bah, ça relance un peu. Hein. Les filles en face, elles jouent pas si mal, mais elles sont montées d'un cran. Il y a 3000. Il y a 3000, Adeline, je crois. Allez, ben 8 à 11, 11 à 8. 11 à 8, et Cathy, depuis qu'elle a pris le tir, c'est plus la même partie. Elle fait du jeu devant Adeline, et Cathy, elle tape des boules. Elle a fait recul et frapper. Là-bas, elle a tapé 2 ou 3. Ça fait 3 frappes là-bas, même, je crois. Donc, c'est plus la même partie. Encore bien joué. Encore une boule qui est par là. Une boule à 50 sur le côté. Bien joué Raymond, bravo. Ça est mal parti, dommage. Allez, faut taper hein, maintenant. Hein. Là, c'est un peu plus loin aussi, hein. C'est pas pareil. Allez, il faut taper. Et c'est mieux, bien tiré. Bien tiré, maintenant le point vaut plus rien. Par contre, là, Raymond, elle a fait du jeu. Ça a le bonheur de venir encore près. Elle prend une option pour la gagne de cette partie. Allez, 5 boules à 3. 5 boules à 3 et les points, ils sont loin maintenant. L'important, c'est d'en faire un bon. C'est pas mal encore. Ah, bien joué Raymond. Bien, bien. Bravo. Et ben. Allez. Faut essayer de faire la prise côté Adeline, mais c'est pas facile. Elle est belle boule devant. Là, c'est joué parfait. Bravo, c'est parfait. Très très bien joué.
Et bah Stéphanie, je crois qu'il y a un petit moment qu'elle n'a pas tiré. C'est le moment de faire la belle frappe. C'est pas droit. Allez, ben faut taper maintenant. Il faut bien tirer maintenant parce qu'après on peut plus tirer. Ouf. Ça compte. Elle est partie. Bien tiré. Bien joué Adeline encore. Hein. Ah, elle est partie celle-là. Elle avait la bonne direction. Mais attention, il y a la boule chez Cathy. Du coup, la boule, elle est importante. Hein. Cathy, si tu veux pas perdre, il faut prendre. Hein. Sinon, tu prends pas, à mon avis. C'est fini. Allez, pas facile. Hein. Il faut le gagner. La direction est pas mal. Waouh. Elle a gagné, mais il y a deux options. Hein. Soit on joue dans la boule à Raymond, soit on tire. Mais bon, c'est presque tapé gagné du côté de Stéphanie. Allez, c'est le moment de bien la tirer. Allez, presque tapé gagné pour Stéphanie. Et c'est tapé, bravo. Eh ben, faut mettre celui-là. Allez, Raymond, c'est pointé gagné. Allez, pointé gagné pour nos amis du CAS de Nice et de... si, c'est fait. Bravo. Belle partie. Très très bien joué. Ben voilà les amis, on se finit comme ça sur cette partie. Rendez-vous demain pour les quarts de finale pour l'équipe du CAS et des REG. Voilà, donc Stéphanie et Raymond demain qualifiés pour les quarts de finale de ce national féminin. Ils ont fait une très très belle partie, ils ont bien joué. Et du côté Adeline, on est revenu. Cathy, elle a fait un très gros tir aussi, mais ça a manqué à cette dernière main. Bouchon est parti tout de suite, du coup ça a flingué la main. En tout cas, merci de m'avoir suivi toute la journée et à demain pour les quarts de finale féminin et les huitièmes de finale masculin. Donc demain 8h, huitièmes de finale. Allez, et bien bonne soirée et à demain.